Bonjour, ici Léo Bureau-Blouin, député de la Val-des-Rapides, en direct du sommet de l'enseignement supérieur en ce 25 février. Donc, ce fut une grosse journée jusqu'à présent. Cependant, je suis agréablement surpris du climat de bonne entente qu'il y a entre les différents partenaires. Déjà, plusieurs propositions qui ont été lancées sur la création d'un conseil des universités, de renforcer les mesures pour venir en soutien aux étudiants handicapés, aux étudiants autochtones, assurer également un financement stable aux universités à travers un réinvestissement de près de 1,7 milliard sur 7 ans. Plusieurs bonifications des prêts et bourses également qui sont au menu. Et sur la question des droits de scolarité, l'idée de mettre ensemble les droits de scolarité et les frais afférents et d'ajuster ça en fonction du revenu disponible des familles, donc une mesure qui me semble équilibrée. Donc bref, un gros menu, mais surtout je suis très heureux de voir qu'on est capable de débattre sereinement d'un enjeu des plus complexes.